Les derniers chiffres sont le 5, le 2, le 5 et le 1. 5, 2, 5, 1. Personne ne semble vouloir le shooter, d'après ce qu'on constate. Personne ne répond à l'appel. Ça fait trois numéros que notre ami Jayman récite. Donc, nous avons trouvé un. Viens me voir, Laurent, mon cher. J'ai des shooters pour la personne dont les quatre derniers chiffres sont le 5, le 2. Complémentaire 18-35, mesdames et messieurs. Si vous avez la combinaison, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de Hard Battle et vous rendre compte qu'il n'y a rien à gagner. 5-2-2-0-3 fois. On passe au prochain. J'ai des shooters pour les 5-2-3-1. 5, 2, 3, 1. Alors, je vous entends déjà dire, vous encouragez l'alcoolisme. Non, non, on encourage le party, mesdames et messieurs. Écoutez, on s'est vive au Québec. On donne des shooters à outrance par le billet d'une série de 4 numéros. Alors, c'est toute une soirée qu'on passe. En haut, c'est en haut, s'ils s'en viennent, parfait. Et voilà. Alors, pendant qu'on vient me rejoindre à l'avant, mon cher. Alors, pendant qu'on vient gérer les carrières de shooter se présentent à la scène. Alors, je vais t'introduire. Et voici les artistes de la troisième ronde. Les artistes finalistes, les préférés des deux premières rondes au chevalet numéro 1. On a Lily Sierra. Au chevalet numéro 2, on fait du bruit pour Gabrielle Caron. Au chevalet numéro 3, Mathilde Morbeux. Et finalement, au chevalet numéro 4, on fait un tonnerre de bruit pour Andrew. Alors voilà, les artistes sont prêts et prêts pour la ronde finale. Nos musiciens sont encore et toujours en feu. Alors, cher public, j'aimerais que tu m'accompagnes pour lancer cette ronde finale. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, la ronde finale. Finalement, c'est ce que c'est, mesdames et messieurs, et d'autres acabis. C'est la ronde finale. Vous voyez, durant la diffusion, il m'est arrivé à quelques reprises de me fourvoyer, de vous laisser dans l'erreur, de vous plonger dans l'incertitude quant aux rondes. Eh bien là, on en a le cœur net. Jayman l'a dit. Là, vous me dites, ouais, Maxime, t'aurais peut-être dû te renseigner à la base. Et je vous dis, oui, j'aurais dû. Mais écoutez, je suis un homme occupé et j'ai pas eu le temps. Cependant, je vous certifie que les prochaines diffusions relèveront d'une clarté sans pareil. Et ce sera limpide comme de l'eau de roche, de l'eau de vaisselle, comme disait le bon vieux Pierre Falardeau. As-tu déjà dit ça? Je ne sais pas. C'est à vous de le chercher. Alors, la ronde finale commence, mesdames et messieurs. On peut voir Lily Sierra ici, qui applique des teintes de bleu dans le haut de son canevas. Et Andrew, qui débute encore une fois avec le fond noir. Ça semble être une caractéristique très commune chez lui. Il semble aimer le noir, en fait débuter sur du noir. Possiblement que ça lui laisse davantage de possibilités au niveau de sa créativité. Et puis, je dois vous avouer que c'est très beau aussi, un fond noir. Et il ne faut pas oublier que ces artistes-là peignent sans que la peinture sèche. Donc, c'est du wet sur wet, d'après ce qu'on m'a raconté en début de soirée. C'est la technique qu'ils utilisent. C'est du wet sur wet. Et c'est pour ça, présentement, qu'on peut voir Andrew nettoyer, en fait, essuyer un peu son image pour enlever l'aspect mouillé de sa peinture, l'aspect wet de sa peinture, pour qu'il puisse appliquer différentes teintes de façon plus lisse, de façon... la meilleure façon, dans le fond. C'est ça que je voulais dire. Et ça va être mieux pour son œuvre. Et comme je vous le disais aussi d'emblée au début de la diffusion, je demeure un complet néophyte en la matière, donc soyez indulgents auprès de mes analyses artistiques. Nous faisons ça ensemble. Je vous invite d'ailleurs à communiquer avec nous sur le stream qui est en direct présentement sur YouTube ou sur Discord et ou sur les différentes plateformes de réseautage de Hard Battle. Vous êtes les bienvenus à nous laisser vos commentaires et je vais interagir avec vous en temps réel. Donc, on a toujours Lily Sierra qui opte pour une peinture au fond océanique. C'est très joli, ça, vraiment. On peut voir du turquoise, du bleu un peu plus foncé, le bleu marin, comme on l'appelle, des teintes de mauve. Un dégradé fabuleux ici, comme on peut le constater.
Et encore une fois, la caméraman qui se déplace au périple de sa vie, mesdames et messieurs, rappelons-le, à travers des têtes chevelues et des âmes vagabondes, tous réunis dans la mine quasi, sur Saint-Jean, Québec, rappelons-le. Endroit de prédilection ce soir pour les fervents d'art en tout genre, mais surtout de peinture. Alors nous avons ici Gabriel Caron. Gabriel Caron, voilà. C'est celle que nous avons. Qui dessine une forme qui n'est pas sans rappeler le signe des ambulanciers. Et un cœur. Dans un sablier peut-être. Ce sera à vous de me le dire, mesdames et messieurs. Nous voyons en temps réel la création d'une œuvre. Imaginez si on avait pu faire ça avec les grands peintres de l'histoire, hein? Si on avait pu assister aux œuvres qu'a créées Monet, au premier Picasso, comment Picasso s'y prenait pour peindre ses œuvres. Eh bien, ici, c'est ce que vous avez en temps réel. Et c'est ce qui fait tout l'importance de ce genre de compétition-là, parce qu'on voit des artistes non seulement s'épanouir dans ce qu'ils aiment, mais créer en temps réel. Et si vous êtes un artiste vous-même, vous pouvez évidemment en retirer quelque chose. Des techniques, des façons de faire, à vous de me le dire. Et nous nous tournons présentement vers Lily Sierra, qui nous avait pondu une œuvre pour le moins très abstraite lors de la première ronde. Elle tend à répéter l'exercice, cependant, nous pouvons distinguer des formes un peu plus concises. Et rappelons-le que ces artistes-là qui se rendent en deuxième, en finale, c'est-à-dire en sont à leur deuxième œuvre. Donc non seulement ils ont créé une œuvre en 20 minutes ce soir une fois, mais le répéter une deuxième fois pour espérer gagner le premier prix, la première place de cette soirée. Donc c'est pas rien, là, écoutez. Je me demande à quel point, et d'ailleurs, nous allons perpétrer l'exercice dans les prochaines diffusions. Nous allons avoir quelques entrevues avec les artistes pour savoir, tenter de connaître un peu leur processus créatif. Parce que je suis curieux de savoir, en amont, est-ce qu'elle y avait pensé ou elle laisse libre recours à sa créativité en ce moment pour pondre le petit chef-d'œuvre, qui, je l'espère, en deviendra un à la fin de sa ronde. Est-ce qu'elle l'avait prévu, est-ce qu'elle avait anticipé, c'est-à-dire? Là est toute la question. Donc, encore une fois, notre caméraman légendaire qui se faufile parmi les têtes chevelues et les âmes perdues, mais tous retrouvés au même endroit à la Ninkasi. Alors, nous sommes de retour devant Mathilde Morbeux qui nous avait offert un portrait animé d'une femme à demi-submergée en deuxième ronde. C'est ce qui l'a propulsée en finale. Elle nous offre ce soir encore un portrait qui semble issu des milieux océaniques. C'est à fond d'eau, vraiment. On peut sentir toute l'eau là-dedans. Et ça, c'était une allusion, une analyse très profonde de ma part. On peut sentir l'eau, n'est-ce pas? Alors, on peut voir ce qui semble être une lune à l'horizon. Et possiblement des algues. Et on peut distinguer aussi quelques nuages près de la lune. C'est magnifique présentement. On voit qu'elle se précipite aussi, elle vient de sauter sur ses pas. On sent un certain stress. Peut-être qu'elle pense que le 20 minutes qui lui est alloué pour la création de sa toile est très peu. Et on la comprend, c'est très peu pour accomplir un petit chef-d'œuvre. Et on arrive au chevalet de Andrew qui est au sol. Oui, qui a décidé de faire fi de son chevalet, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est une autre première ce soir à laquelle nous assistons. Andrew prend un marqueur. Est-ce un marqueur? Ça semble être un marqueur. Et il pointille des points sur le sol. Et c'est une technique à laquelle nous assistons pour la première fois ce soir. Technique originale, il faut le dire. Et nous pouvons voir ses bottes à côté. Et il lance les crayons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il est assez en entier. Il enlève son collier. Oh oui, Andrew est prêt à gagner le battle ce soir. Il s'investit corps et âme. Et vous pouvez voir la minutie avec laquelle il pointille son œuvre. Peut-être qu'il fait un dessin à colorer. Hein? Qui sait? Peut-être qu'à la fin, il va falloir colorier entre les pointillés. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce que ça va mener. Et c'est ça la beauté de la chose. Mais à l'heure actuelle, je dois vous avouer que notre ami Andrew relève une originalité certaine. En s'appuyant au sol, comme je le disais préalablement,
c'est la première fois qu'on le voit ce soir. Si vous aviez à compter les points, mesdames et messieurs, vous pouvez l'inscrire dans les commentaires. Combien de points y a-t-il sur l'œuvre d'Andrew? On dirait une neurone, comme ça. Nous sommes de retour. Désolé pour ce léger inconvénient. Nous sommes encore en train de regarder Andrew qui pointe comme si sa vie en dépendait. Ça fait beaucoup de points, là. Je vous dirais que nous sommes à un niveau de points assez volumineux. Il est toujours au sol, affairé. A terminé son œuvre dans le laps de temps donné, qui, je le rappelle, est de 20 minutes. Donc, tous les artistes, surtout en finale, disposent que de 20 minutes uniquement pour pouvoir accomplir leurs œuvres. Et on s'excuse encore une fois de l'interruption visuelle que vous venez de vivre. Nous vivons quelques difficultés pénibles qui seront rétablies. En fait, ils sont déjà. Donc, ne pas vous inquiéter. Pour la suite des choses, vous pourrez contempler les œuvres autant bien que je peux faire en ce moment avec vos yeux vus. Nous sommes de retour à Mathilde Porte. Disparue finalement. La caméraman a décidé d'aller ailleurs. Et la peuplade de gens s'amoncelle de plus en plus au pied des œuvres et des artistes. De l'écrire le plus rapidement possible, rappelons-le. Nous dirigeons maintenant vers Gabriel Caron. Il reste 10 minutes. Nous venons d'entendre l'animateur de la soirée, J-Man, qui est d'ailleurs humoriste. Si vous désirez aller voir son travail, vous pouvez vous rendre sur ses différentes plateformes de réseautage social. J-Man, G, en fait, c'est J-A-Y-M-A-N. Il semble qu'il a différents numéros et probablement un spectacle complet de disponible. Donc, vous allez voir. Et je crois que ça vous ferait plaisir. Donnez un commentaire, un pouce, un like, quelque chose dans le genre. Et comme je disais avant de m'emporter vers notre ami J-Man, nous sommes présentement à regarder, à contempler l'œuvre de Gabriel Caron. Il nous offre un cœur dans un clou. Avec des ailes dans un sablier. Bon, écoutez, c'est une analyse qui en est encore assez balbutiement. Alors, nous verrons encore, elle est rendue à la moitié du temps, donc nous verrons en quoi ça aboutit. Mais contrairement aux autres compétiteurs ce soir, elle a des traits de pinceau qui sont somme toute très précis, plus définis que ceux que j'ai pu admirer au cours de la compétition lors de l'ensemble de la soirée. Et nous sommes de retour devant Lily Sierra, qui est toujours très abstraite. Et on peut le voir à son coup de poignet, c'est abstrait, là. Cependant, on peut voir des formes définies. C'est des humains, des gens, est-ce un pied, une main? J'en sais rien. Votre analyse est aussi bonne que la mienne en ce moment. Cependant, j'adore les couleurs. Les teintes de couleurs sont intrigantes. Je vous dirais, il y a un certain mystère qui se relève de cette toile, comme si elle essayait de nous passer un message quelconque. Message que je n'ai toujours pas déchiffré, je vais vous l'avouer. Donc sa toile est composée essentiellement de teintes de jaune, de noir, d'orange, de bleu. Au travail, Lily. On peut voir les gens assis là, délectant, les gens discutant, essayant de payer un chemin. Oh, notre ami Raton qui a compétitionné durant la première ronde, que nous venons de voir. Nous venons de voir son visage. Et voici un monsieur dont je ne connais pas le nom, mais dont nous allons saluer. Et nous sommes de retour devant Mathilde Porteux. Offre
une peinture aux teintes de vert et de bleu, ça c'est certain, avec du blanc au milieu. Là, c'est à vous de me dire à quoi ça vous fait penser. Et puis merci de commenter sur les différentes plateformes de diffusion sur lesquelles nous diffusons en ce moment. C'est très apprécié, vos commentaires enrichissent fortement mon dialogue ce soir. Et nous sommes nombreux à écouter le streaming en ce moment. Donc, je vous salue, Marie-Josée. Retour à Andrew, qui est toujours au sol, à faire des points, comme si ça lui en demandait. Ça se précise, un tantinet plus. C'est très joli, cependant. Donc, il a opté pour le pointillé, comme technique d'approche. Probablement une des approches les plus originales que nous avons eu le plaisir de constater ce soir. Le pointillé approche uniquement utilisé par Andrew. Nous l'avons vu également utilisé lors de la ronde précédente. Un couteau à peinture pour ajouter de la texture à son œuvre. Nous venons d'avoir le nombre de temps qu'il restait à la ronde finale, je vous le rappelle. Nous sommes en finale. Il reste désormais 5 minutes. Donc les 4 artistes qui composent la finale ont 5 minutes pour accomplir leurs œuvres et pour mettre à terme leur processus créatif. Et on me demande dans le chat, quelle est ma couleur préférée? Eh bien ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre parce qu'ici ce soir, nous sommes réunis pour contempler les artistes et ce serait plutôt eux à me dire quelle est leur couleur préférée. Et c'est une question fort intéressante, merci de me l'avoir mentionné, posé, c'est-à-dire. Et possiblement que pour Gabriel Caron, sa couleur préférée, c'est le jaune, puisqu'elle l'utilise abondamment en ce moment. Nous pouvons voir un sablier avec un cœur et des ailes et une forme de tuyaux tournés les uns sur les autres. Bon, écoutez, pardonnez mon... ma négligence certaine à bien décrire ce que je vois, mais c'est pas sans rappeler, et je l'ai déjà mentionné plus tôt, le signe des ambulanciers. Oh, c'est à peu près tout ce que je trouve à dire pour cette toile, qui est d'une beauté sans pareil. Et nous revenons lentement vers notre amie Lily Sierra, qui se trouve juste derrière la scène où les musiciens maison jouent encore en ce moment, improvisant une pièce après l'autre. Ce qui est très fascinant puisqu'ils ne se connaissent pas. Rappelons-le, ils jambent les uns et les autres. Comme disent ma grand-mère, sont bons les jeunes. Sont bons les jeunes. Alors on est de retour devant Lily Sierra qui peinture toujours des choses aussi abstraites les unes que les autres. Les plus abstraites les unes que les autres, dis-je. Cependant, nous pouvons voir des visages, peut-être des esprits, peut-être certains nous communiquer qu'elle voit des esprits, qu'elle entend des voix. J'en sais trop rien. Écoutez, à l'heure actuelle. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est abstrait, mais c'est joli. On sent qu'elle tente de nous livrer un message, possiblement en lien avec des gens disparus, peut-être, des fantômes habitant sa maison, son appartement. Qu'en sais-je? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'affaire à mettre les touches finales sur sa peinture pour espérer pouvoir remporter le grand prix de la soirée, c'est-à-dire une place à la finale régionale du Art Battle qui se tiendra. Il y aura lieu, en fait, c'est ça. Il y aura lieu à la fin de l'année en cours.
et nous revenons tranquillement vers un parti de Bordeaux. Ça se précise. Il a opté pour quelque chose de plus abstrait que durant la première ronde. On voit un changement de style, ce qui témoigne de sa grande capacité d'adaptation et de sa grande capacité à fondre des toiles différentes les unes des autres. Et ça, je pense que pour un artiste, c'est une qualité formidable. Elle se réinvente, elle trouve confort dans des zones pas utilisées ce soir. Magnifique travail, Patrick. Nous sommes de retour à notre avis-xavier qui est toujours plongé au sol. Oh, et maintenant, il tape du pinceau dans ses mains. Comme s'il essayait de jouer du tambour, invisible. Peut-être essaie-t-il de nous jouer une tune de Queen. Une chanson de Boston. De Journey, je ne sais pas. C'est ce qu'il essaie de nous jouer. Cependant, il émet des taches sur sa toile. Comme si la peinture pleuvait. Mouillassait du ciel la peinture. Écoutez, c'est une technique, encore une fois, à laquelle nous assistons pour la première fois ce soir. Alors, notre ami Xavier est vraiment un précurseur, un avant-gardiste. C'est le Jacques Cartier de la peinture ici ce soir, mesdames et messieurs. Ok, c'est relevé, finalement. Il a quitté le sol pour rejoindre son chevalet. Et a retrouvé l'usage de son marqueur pour peindre des points de façon peut-être aléatoire, peut-être coordonnée. Et ce sera à lui de nous dire. Et nous arrivons aux dernières secondes. Les dernières secondes de cette ronde finale, ça se termine en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Thank you.